C'est un outil à double tranchant. Il y a des gens qui sont du côté du puzzle qu'on découpe et des gens qui sont du côté du puzzle qu'on reconstitue. Ça correspond à deux mouvements qui sont complémentaires. Constituer un puzzle, normalement, fabriquer un puzzle, c'est découper un tableau et reconstituer un puzzle, c'est lui redonner son unicité. Donc il y a effectivement cette dualité, qui d'ailleurs, à mon avis, est astrologique, puisque rechercher l'unité, c'est équinoxial, aller vers la diversité babélique, en quelque sorte, multiplication des langues, multiplication des pays, c'est solstitial. Donc on a ce double mouvement intellectuel. Alors il y a des gens qui sont plutôt de type dispersion des pièces, multiplication à l'infini des pièces, et des gens qui sont au contraire pour le rassemblement, le recentrage, la refocalisation des pièces. Je crois deux psychologies opposées.